le truc. Il y a plusieurs races. Exemple, il y a la race chat, la race mou, la race angel, la race cyborg, la race ghoul, et pour finir, la race humain. On peut savoir quelle race on a. C'est très simple, il suffit juste d'aller dans stats, et en haut, vous verrez votre race actuelle. Et aujourd'hui, les amis, je vais V3, ma race mink, la meilleure, entre parenthèses. Et franchement, il y aura quand même pas mal de dingueries pour avoir la V3. Sur ce, bon visionnage. Ok, donc du coup, les gars, à ce qui plaît, il faut aller à l'île de diamant. Là, je sors de la 6-3, les gars. Oui, voilà. Ok, on va y aller, les gars. Pendant ce temps-là, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait énormément plaisir. Voilà. Du coup, bah, c'est parti. Je crois que c'est ici. C'est un côté là, là. De l'île. Ah non, je crois que c'est en bas, peut-être. Ouais, les gars, je suis perdu. Attendez, je crois que c'est là. Attends. Ouais, c'est ici. Ouais, parce que la couleur est. Ok, ok. Donc, du coup, les gars, là, j'ai 2 millions d'argent. Voilà. Et on va. Quoi, c'est quoi cette ambiance, là? Ça fait truc de marabout, là. Eh, au revoir, hein. Au revoir, mais frérot, au revoir, au revoir. Vas-y, moi, je remonte, les gars. Ok, bah, on annule la vidéo, les gars. Bah, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon bah ok les gars, on va essayer. Bon bah frère, il me fait peur là, j'ai marre, c'est qui lui en plus? D'abord je vais parler avec lui là. Il dit waf waf, you bro wanna buy physical rocket. Ah non non, je veux pas acheter rocket perm bien sûr. Salut, ok monsieur, comment ça? Wesh frère, ça y est, il veut me faire des trucs marabout là, c'est un marabout en même temps. Et Black Phoenix les gars, je suis Arrow, un fils de Ripindra. Ah ouais, Ripindra il avait un fils. Il a un fils Ripindra, wesh, c'est quoi ce truc? C'est vrai que quand même, tu pratiques la magie noire, c'est pas bien ça hein. Je pense que ton père n'était pas trop d'accord hein. Je forme ceux qui ont moins de chance que moi pour canaliser leur force cachée. Force cachée de quoi frérot? Oui mon enfant. De quoi ton mon enfant de quoi? Je vais te ramener Ripindra, on va voir si ce sera qui l'enfant. Je sais que ça doit être déroutant pour toi, mais j'ai été envoyé ici. Mais vas-y tant que tu y es, ouais bah ok. Ouais bien sûr, ouais, bah, c'est juste Ripindra qui a fait avec sa copine. Voilà, pour enseigner à ceux qui recherchent ma sagesse afin de rendre leur capacité de race plus forte. Ok, bon, il est un peu fou hein, ce Arrow hein. Excellent talc. Tommy again, pick a 30 trésor chest. Je crois que les gars, il faut après, il faut aller là, il faut aller chercher, il faut trouver 30 trésors. Et bah en vrai c'est plutôt facile. Moi je trouve que c'est un peu débile parce que ça aurait dû être la quête de la race mink V2, enfin de la V2 quoi. Parce que la V2 frère c'est chaud. Je vais trouver des fleurs, les coffres c'est easy. Donc je sais pas, est-ce qu'on doit prendre des coffres spéciales? On prend pas des coffres spéciales, 3. On va en trouver un quatrième les gars, moi je connais à peu près tout. Voilà les spawns de coffres. Là on en est à 3, quatrième. Le 4 il est là, oh le 5 il est ici. Ok, le 6, oh il y a un late. Ok, 6, le 6. Ah voilà, ici, on a 6 et 7. Donc là ça nous en fera 7, voilà 6, 7. Ah ouais quand même ça est chaud quand même les gars. On va voir du côté des quêtes de signes. Vers ce côté là bah voilà quoi, il y a quand même deux coffres, enfin trois coffres, un là, un là, un là. On va prendre déjà celui-là, voilà. On va monter, on va prendre celui-là. Oula les gars, j'ai pas compté. Là là au tournage là je viens de. Bon, bon. Écoutez les gars, on va essayer de ramasser le max de coffres possible. Au montage, montrer le nombre le nombre de coffres que j'aurais pris, voilà. Ok. Je crois qu'il y en a. Non, il y en a pas en haut. Peut-être chez Swan. Non, chez Swan, peut-être pas. Peut-être chez Fajita, les gars. Chez Fajita. À mon avis, il y en a chez Fajita. Non, peut-être aussi ici là dans le quartier. Dans le quartier, on a d'habitude souvent. Voilà. Il y en a un là, hop, voilà, Zébarzi. Il y en a un aussi au sous-sol du café. Ok, bah Zébarzi, on y va. Hop là. C'est voilà, on va en trouver d'autres. Ok, ok, ok. Hop, 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 hop. Donc du coup, on va se rendre chez Fajita. Je reprends quand je serai chez Fajita. Ok les gars, je suis chez Fajita. Voilà, à l'île fleur et tout là. Ok, je suis ici. Je crois qu'il y a un coffre. Il y a un coffre bleu un peu ici. Voilà, ok, personne l'a pris. Ok, parfait. Et il y en a un autre ici dedans. Ok. Et les gars, en fait, je viens d'y penser. Il y a aussi un espèce d'endroit secret. Où il y a genre plein de coffres. Et c'est vert dans le quartier et tout. Donc du coup, bah, on va y aller. Alors j'avais aussi oublié de prendre ce coffre les gars, on va le prendre tout de suite, voilà. Donc les gars, je pense que c'est vers ici, un truc là là, à quelque part ici, il y a une porte spéciale. Ah ouais, c'est là. Ok les gars, mais comment on fait là? Comment il a fait pour rentrer? Oh non, il est déjà rentré dans la salle des coffres. Oh non. Ah mais c'était ça, c'était de l'autre côté en fait. Oh non. Oh non. Ça y est, non, il y a pas à faire ça. Frère, il y avait Black Phoenix. Wesh, non, gros, non. C'est pas possible. Attends, ça va me faire compliquer le truc là. C'est bon. Ok les gars, il y en a un juste ici là, c'est un coffre en or, parfait. Et je crois qu'il y en avait un tout en haut. Il y en a un, voilà, parfait là. Et c'est tout, je pense. Je pense que c'est tout les gars. Donc je sais qu'il y a énormément de coffres. Un passage secret, enfin pas trop un passage secret. Au château. Donc on va aller au château comme Black Phoenix nous a pillé les trésors. Donc il va falloir faire moins de bruit les gars. Et je vais essayer d'aller au château. Ok les gars, je viens d'arriver. Oula oula. Oh non. Oh non. Oh comment c'est pas bien.
Allez, voilà, parfait. Donc là, il y a un coffre juste ici, les gars. Ok, on va se diriger vers là. L'épée, parfait. On va se mettre en transformation Bouddha, les gars. Voilà, on pourra faire des jumps beaucoup plus haut. Alors, on a aussi celui-là. Ça sert à rien de se mettre en Bouddha là tout de suite. Alors là, non. Alors là, non, cible. Non, c'est pas Block Snix. Je crois que c'est un, les gars. Eh, je m'en fous, je vais le kill. Si c'est pour prendre... Voilà, il allait prendre les trésors. Donc voilà, on en a quand même pas mal ici. Il faut pas qu'il vienne prendre les trésors. Et là, à mon avis, on en a une bonne dizaine, une vingtaine. Mais qu'est-ce qu'il veut, frère? Il sait bien, j'ai plus de level que lui. Allez. C'est pas possible. Waouh. Les gens qui font cette tête baissée, quoi. Je pense qu'il y en avait vers ici, là, peut-être. Donc il y en a un sur le château. Il y en a un tout en haut. Il y a des coffres, peut-être, tout en haut. Ok, Spider Bouddha, les gars. Spider Bouddha, ici, présent, les gars. Oh, il y a un coffre. Les gars, il y a un coffre bleu. Oh, je le savais. Oh, je le savais. Oh, mais c'était sûr. Oh, let's go. Let's go, les gars. Parfait. Waouh, on est bien, là. Ah, là, on est très bien. Mais super bien. Alors, le problème, c'est que je sais juste pas combien de trésors j'ai pris. Donc, du coup, bah, les gars, je vais faire un cut et je vais compter le nombre de trésors que j'aurai. Voilà, à tout de suite. On va reprendre ce coffre. Hop, voilà. Donc on en est à 26. J'ai compté. Voilà. On va aller. Il y avait un coffre ici. Voilà, ici, là. Ok, donc ça nous fait 27, les gars. Faut le 28. 28. Peut-être là-bas. Peut-être pas. 28, les gars. 29. Oh, les gars. 30. Les gars, on est à 30 coffres. Zé, barzi. Enfin. Enfin, les gars. Et bah 31 coffres au pire, c'est jamais. Ok, 32 coffres. Ok les gars, on va aller revoir l'espèce de marabout fou là, le fils à Ripindra, hein. J'ai juste pas envie d'aller avec lui, genre seul comme ça. Du coup bah je m'équipe de la reine Goku, on sait jamais les gars, hein. J'ai la reine Goku, vraiment bien grand comme ça. On s'équipe de ça, voilà, on prend ça. Ça nous fait 33, y'a un doux qui veut me tuer, frère. Oh, non mais j'ai pas envie de me fight là. Je crois que c'était vers là, ok c'est bon. Ok, tu me protèges, hein. Ah, j'ai pas, frère, salut monsieur. Ok les gars, on va avoir la V3 Mimic, les gars. Enfin, enfin on a la V3 les gars. Enfin, changer. Oh, wow. Bon, je vais payer vite fait. Voilà, c'est bon. Wouah les gars, V3 les gars, on a la V3 Mimic. Wesh, j'ai un espèce de gros pompon là. Wesh, incroyable. On va vite. Wesh les gars, comment on va vite. Wouah, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Ah bah là, j'ai plus. Mais on allait quand même vite. C'était trop bien. Ah, mais c'est incroyable les gars. Attends, je vais voir si on peut pas se rééquiper. Là, je peux trop faire la course et tout là. Oh, Black Phoenix, vas-y, viens. 2, 1, go. Oh, c'est parti, les gars. Oh, la grande course. Oh, oh, les gars. Oh, je crois qu'il est en train de me rattraper, les gars. Ah non. Oh, let's go. Ouais, les gars, franchement, j'ai la race Mink. Prochaine fois, les gars, on essaiera de faire notre race V4 avec Black Phoenix, les gars. On va essayer de faire la race V4. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça fait énormément plaisir. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Wogani. Ciao, les potos.